Bon bah voilà, j'y suis, enfin, bout par bout, j'ai trouvé un autre chemin. Maintenant il commence à faire noir, il faut absolument que je rentre. C'est parti pour le chemin, je vais essayer de m'en souvenir. Ça commence bien. Alors évidemment, je passe pas par le bon chemin. Voilà, pour se nettoyer, voilà. Je sais pas si je mettrai cette vidéo. Disposition de quelqu'un d'autre. Parce que il risque d'avoir assez peu d'intérêt vu qu'il fait extrêmement sombre. J'ai pas grand chose à raconter comme tout le monde. Hein, comme mon coup de... Je suis pas spécialement intéressant. Bon voilà. En remontant là j'ai fait un marquage qui signifie qu'il faut passer par là. Elle me narguait cette les chutes, je dis les parce qu'en fait il y en a deux, mais les chutes me narguaient depuis une heure, il faisait du bruit au loin et je voyais pas par où passer. J'en ai fait des virages, je suis battu avec des ne me quitte pas, en tout cas de la famille des ne me quitte pas. Voilà, alors, quand vous arrivez dans le bouche là, hein, me démerdez-vous. Aïe, j'ai pas encore pu tout nettoyer. Donc il me reste 2 km. Idéalement il me reste 2 km à trouver, qui vont de la chute jusqu'à la route. Mais à travers, comme d'habitude, à travers quelque chose de boisé. Ombragé si possible. Joli si possible. Avec quelques arbres remarquables si possible. Voilà, c'est un labyrinthe de bouche. J'appelle ça les labyrinthes savanes. Savanesque. Voilà. Là, du coup, je sais même plus où c'est. Non, c'est pas par là, ça descend trop, je vais me faire. Je n'ai pas nettoyé grand chose parce que je crois que des vaches s'en sont un petit peu chargées. Peut-être il y a quelques mois, des gens qui sont venus chercher du bois. J'ai vu qu'il y avait des planches. Vous voyez comment il fait noir? Oui. Là, je suis... Avant que je retrouve le scooter, faut m'amuser. J'ai pas de lumière. Il faut traverser la flotte. Un petit bout de flotte. Il s'agirait pas de glisser. Donc je fais ça pour me souvenir. Parce que bon là je deviens un petit peu plus héroïque, c'est remonter un chemin inconnu à l'orée de la nuit. Parce que là si tu te paumes après, si tu prends pas le bon tournant, là c'est foutu. Alors là on est dans les techs, là aussi c'est labyrinthe de tech. Alors c'est qu'il y avait un chemin par là, il y a, voilà, il y a le ruisseau. Le ruisseau à gauche. Enfin l'ex-ruisseau. Alors moi j'y vois pas grand chose, alors j'imagine que l'appareil qui est encore plus minable ne doit rien montrer. Bon ça le sert de record comme je disais. Bon voilà, alors là ça va être un peu plus rock'n'roll, là faut que je descende. Il faut que je descende dans les épineux. Hop là. Donc là on peut passer parce que enfin, c'est un peu plus aisé. Ouais avec un Z, ouais c'est aisé. C'est un peu plus facile qu'à l'aller parce qu'effectivement bah, là je me suis amusé. Hein, là c'est presque une voie royale, là, c'est tapis rouge à Cannes. Hop, festival de Cannes. Bon, voilà par contre. Bon, de toute façon, on voit rien alors. On va la foutre. Alors j'ai fait des escaliers là en terre pour essayer d'éviter de glisser. Ah, et surtout parce que surtout l'atterrissage. Ce serait dans les ronces là, les saloperies de Mimosa pudica. Ah, et ceux-là, ils lâchent une armada là, c'est la fameuse armada. Bon, alors là, j'ai essayé de nettoyer, mais parce que comme je savais pas où j'allais, je me dis, je vais pas
dépenser de l'énergie à nettoyer un truc qui finalement ne mène nulle part. Bon, finalement j'ai trouvé. Bon, il y a peut-être plus simple comme chemin. D'ailleurs j'en ai vu un autre tout à l'heure. Donc demain ou après-demain, come back. Alors là je suis à l'igloo. Alors l'igloo, voilà. L'igloo, c'est quoi? C'est un igloo, c'est des bambous épineux qui forment un igloo, une cahute. On passe dessous, on est dessous comme dans un igloo, un grand igloo. Oh, voilà. Là, il y a du bois coupé, il y a un certain temps certainement. Voilà. Alors moi, heureusement, j'ai des yeux de chat. J'ai arraché les yeux de mon chat. Je le rendrai. Hein. Voilà. Après, on longe dans les mimosas. Allez. Ah, il y a de l'eau. Ouais, tu vois rien. Bref, je vais me le dire à moi-même. Là, il y a de l'eau à gauche. Oh, oh, ah, ouais. Eh, il faudrait peut-être pas se tromper parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu abrupt là. T'es sûr que t'es pris le bon chemin? Peut-être un peu plus haut quand même, non? Ça pourrait l'air nettoyé du tout. Ouais, il faudrait peut-être pas tomber. Mais là, il y a de la flotte en bas. Bon, c'est pas profond. Mais. Bon, je sais pas. J'ai pas dû. Je dois pas revenir par le même chemin. Ouais, il y a plein de fleurs. Ouais, c'est que des mimosas qui sont sortis. Plein de petits pompons mimosas. C'est très joli. On dirait une constellation. Téléphone, ok, il fait noir, on voit rien. Bon, qu'est-ce que j'ai foutu? Bah si, j'ai dû passer par là, mais bon, après on passe là-dessous. Moi j'ai un peu de mérite quand même. Hein. Je m'envoie des fleurs pour une fois. C'est sûr que si je demande à quelqu'un d'autre de l'envoyer, je vais pas recevoir. En ce moment c'est plutôt des bouses. C'est plutôt des bouses de vaches, des bouses de buffles. Je reçois depuis 3 semaines. Bon, voilà, il est là le chemin. Là il y a un autre chemin qu'il faudra que je suive après-demain. Ou alors il est plus haut. Non, c'est celui-là, là, plus haut. Ouais. Bon, si ça se trouve, je me suis créé un chemin inutilement. Parce qu'il y en a déjà un qui existe quelque part. Ou qui aura été vu. Qui, ou le, si tu étais plus faisé. Bon, est-ce que... Alors, j'ai creusé. Mais c'est là que j'ai creusé le truc. Oh putain, je me rappelle pas. Tout se ressemble. Bon, d'ailleurs, surtout la nuit. Oh, il est chouette ce chemin, je pensais-vous. Oh, il a l'air vachement bien. C'est dommage qu'il fasse noir. Une lampe frontale. Ouais, pourquoi pas mettre dans mon sac à dos au cas où. Bon, j'ai mon téléphone qui peut faire lampe. Hein. Mais bon, il est pas bien fort. Déjà, oui, oui. Ouais, une lampe frontale. Ouais, il y en a plein ici. Il y en a plein à l'achat. Ouais, mais j'ai pas de sous. Moi, j'ai pas de sous pour ça. Oh, ouais, fait un peu d'aventure. Il suffit de partir plus tôt, puis c'est tout. Là, je suis allé chercher Marie, alors. Du coup, en revenant, voilà, je suis parti aussitôt, mais... 4h15. Ici, la nuit tombe très très vite. Parce qu'elle doit pas être tard, en plus. Même pas l'heure d'apéritif. Bon, après, ça revient à un truc un peu plus sympa. Il n'y a pas de truc méchant. Bon, les plantes sont pas méchantes, évidemment. Méchanceté, typiquement. Il faut une volonté pour ça. Et la volonté, libre arbitre, n'a été offert qu'à l'humain pour l'instant. En tout cas, à ce qu'on en sait. Hop, en tant que spirit, je peux vous le dire. En tout cas, ce serait que les humains. Et pas que cette terre seulement. Il y en a plein partout. Et la Scar. Avec de la libre arbitre.
Bref. Là. Là, je peux pas. Là, je suis dans la cratère. Ah bah, va falloir sortir du cratère quand même. Ouais, j'aurais pu filer, c'est ce que j'ai fait. Ouais, allez, je file. Bon, bah voilà. J'y suis. Ou presque. Je vous m'enregistrer jusqu'au bout, juste pour voir le temps. Le temps que ça m'a pris. A priori, 10 minutes. Ouais, c'est un délire aussi que j'aimerais faire, c'est les balades que je connais très bien, surtout autour de chez nous, de les faire en nocturne. Alors ici, nocturne, ça veut dire à 19h, partir à 18h, mais pour voir si on y a des beautés qui se révèlent. Bon, voilà. Voilà, scout. Ah. Allez, après, allez, on va finir avec de la lumière. The moon. Lunar.